Alexei Popirin sacré en junior. L'Australien d'origine russe Alexei Popirin, tête de série N-degré 3, a fait respecter la logique en s'imposant contre l'Espagnol d'origine allemande Nicolas Kuhn, tête de série N-degré 11, en finale du simple garçon de Roland Garros. Vainqueur 7-6-6-3, l'Australienne Alexei Popirin sort ainsi son premier titre du Grand Chelem chez les juniors. En s'imposant en finale du simple garçon, Alexei Popirin n'a pas seulement inscrit son nom pour la première fois au palmarès du Grand Chelem, il a aussi mis fin à 49 ans d'attente pour l'Australie, qui n'avait plus eu de vainqueur en simple garçon à Roland Garros depuis Phil Dan en 1968. Lequel avait lui-même succédé à Ken Rosewall, 1952, Roy Merson, 1954, et John Ecombe, 1961, 1962. Vainqueur du trophée au Bonfiglio, un tournoi à grade 4 disputé à Milan en Italie, juste avant Roland Garros, Alexei Popirin, tête de série N-degré 3 du tableau, a surfé sur la confiance accumulée pour tracer sa route porte d'Auteuil et s'imposer en 3-7 au deuxième tour ainsi qu'un huitième, contre Matteo Martino, et en quart. Partenaire d'entraînement de l'Autrichien Dominique Thiem à plusieurs reprises cette semaine, ce grand adolescent de 17 ans aux faux airs de Juan Martín del Potro, avec lequel il partage la même démarche teintée de nonchalance et un coup droit déjà dévastateur, a su maîtriser ses nerfs en finale. La tension avant la libération après un début de match tendu où il s'est fait breaker une première fois 2-2 avant de revenir puis une nouvelle fois 5-5, le grand Australien a su serrer le jeu au bon moment pour ravir la mise en jeu de l'Espagnol, qui servait pour le set avant de faire la différence dans le jeu décisif bouclé 7 points à 5 après deux fautes de Nicolas Kuhn. En début de match, il était bien là mais il était un peu tendu et avait du mal à imposer ses frappes, notamment en coup droit, analysait Kerry Abakar, entraîneur à l'Académie Mouratoglou, où l'Australien s'entraîne depuis 3 mois. Il n'a pas forcément mal commencé mais il a très bien géré quand il s'est retrouvé dos au mur en fin de premier set.